Que Seigneur, que ton feu m'accompagne. Que le feu de l'esprit, que le feu de roi, que le feu de cet esprit marche devant moi lorsque je vais annoncer ta parole. Qu'elle soit transmise avec puissance et autorité pour transverser, pour renverser tout raisonnement qui n'est point de toi. Prie le Seigneur. Père, dis-toi maintenant, mon Dieu, que ton feu certain me m'accompagne. Père, que ton feu m'accompagne ce matin. Que le feu, l'Esprit de Dieu, m'accompagne ce matin. Père, que ton feu m'accompagne ce matin. Tu vas me laisser tout le monde. Il n'est pas de toi au nom de Jésus. Il n'est pas de toi, Seigneur. Et sonne la trompette pour Jésus, pour qui? Sonne la trompette pour Jésus. Je sonne la trompette pour Jésus. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Sonne la trompette pour Jésus. Sonne la trompette pour Jésus. Je sonne la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sonne la trompette pour Jésus. Je sonne la trompette pour Jésus. Je sonne la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sonne la trompette pour Jésus. Je sonne la trompette pour Jésus. Je sonne la trompette pour Jésus. Venez à Jésus.
Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Applaudissez la trompette pour Jésus. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Un cri de joie. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Je sens la trompette. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Je sens la trompette pour Jésus. Venez là, Jésus, viens vous retourner. Jesus,
Transformation. To buy artificial to place on a place fossil. To buy artificial on a place jungle. To buy proven mettre ce sur le temple de Dieu. To put on the temple of the Lord. Brethren. La nature de Jésus. The nature of Jesus. La nature de Jésus. Allez au ciel. Et toi, fornicateur. Pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, musulman. Pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, témoin. Pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, pentecôtiste. Pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, protestant. Acclamez. Acclamez. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, méthodiste. Oh, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Les anges familiers partent pour le ciel. Et j'en est-il en arrivant. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, drogué, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, femman, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, Jésus a redonné la vie à il là-haut. Jésus va redonner la vie à ton âme après tant d'années de misère. Jésus veut redonner la vie à il veut haut. Jésus veut redonner la vie à ton âme après tant d'années d'aliénation. Jésus veut redonner la vie. Shalom, 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 peuple du monde, peuple de Dieu, voilà, c'est l'équipe. Jésus revient de Paris. Voilà, nous avons sonné la trompette aujourd'hui. Nous avons ébranlé les principautés. L'évangile a été annoncé. Nous avons semé. Et maintenant, le Saint-Esprit, il va faire germer au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est la sœur Fouébé. La sœur. Et la sœur. Voilà, nous vous saluons depuis Paris. Shalom, 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 shalom. Il là-haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de misère, Jésus a redonné. On n'a pas envie de partir. Shalom, shalom, shalom. Ne veux pas, Jésus est le roi. Jésus a vaincu la mort. Jésus a
qui la mort, que l'homme en veut ou ne veut pas, Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est celui qui était, c'est celui qui est, c'est celui qui vient, c'est Jésus, 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 Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, Jésus-Christ est bon. Venez voir sa bonté. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus. Oui, Jésus-Christ est bon. Hey, hey, hey. Oh, Jésus-Christ est bon. Venez voir sa bonté. Venez mes frères, venez mes soeurs, venez voir mes amis. Venez voir comme Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est bon. Hey, hey, hey. Oh, Jésus-Christ est bon. Venez voir sa bonté. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus. Oh, il est vraiment bon. Hey, hey, hey. Oh, oh, Jésus-Christ est bon. Venez voir sa bonté. Venez mes frères, venez mes soeurs, venez voir mes amis. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Je suis heureuse de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse. Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse. Car Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Je suis heureux de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Je suis heureuse de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Sois béni, donne ta vie à Jésus, mon fils. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse. Car Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse. Car Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Je suis heureuse de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Je suis heureuse de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse. Car Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse. Car Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Je suis heureux de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Je suis heureuse de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse. Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Oh oui, mon frère, oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse. Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Je suis heureux de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour.
Je suis heureuse de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Oui, mon frère, oui, ma sœur, soyons dans l'allégresse. Car Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma sœur, soyons dans l'allégresse. Car Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Je suis heureux, je suis heureuse de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Je suis heureuse de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son amour. Oui, mon frère, oui, ma sœur, soyons dans l'allégresse. Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Oui, mon frère, oui, mon frère, oui, ma sœur, soyons dans l'allégresse. Jésus t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Chantons Alléluia. Je suis heureux de vous voir tous en ce jour. Jésus-Christ nous rassemble dans son nom. Vérité. Le malin ne va pas mourir pour vous. Vérité. Par contre, il va tuer quelqu'un pour vous. Mais lui, il ne fera pas. Mais Jésus-Christ, lui, il l'a fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Venez à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Venez à la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Venez à la vie éternelle. Accourez à la vie éternelle. Accourez à la vie éternelle. La grâce. Accourez à la grâce infinie. Accourez. Accourez à la grâce infinie. Tant qu'elle est encore disponible, bientôt elle ne sera plus disponible. Bientôt la grâce ne sera plus disponible. Bientôt la grâce ne sera plus disponible. Accourez, accourez, tant qu'il est encore temps. Tant qu'il est encore temps, mes bien-aimés, accourez à Jésus-Christ, à la vie éternelle. Accourez au sein des saints. Accourez à Jésus-Christ maintenant, mes bien-aimés, ne remettez pas demain. Amen. Tu ne sais pas si tu vas passer la journée. Ah, tu ne sais pas quand est-ce que le souffle de vie sera demandé. Alléluia. Alors, à l'instant maintenant, même où tu entends cette voix, repens-toi. Alléluia. Repens-toi. Faites la paix avec votre Créateur. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Mes bien-aimés, car il est écrit, sauf celui qui fait la volonté de Dieu est fils de Dieu. Il ne te sert de rien de prier si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Enlevez les destroyers. Enlevez ces choses diaboliques. Repentez-vous. Qu'y a-t-il entre Dieu et Satan? On ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Jésus-Christ et Satan. Ce n'est pas possible. Alors il faut choisir. Il faut choisir. Mon frère, il faut choisir. Ma soeur, tu te lèves pour te masquer. Vous appelez ça le maquillage. Tu te masques. Abomination, qui es-tu pour corriger Dieu? Tu mets sur toi les faux cheveux. Tu te lèves pour corriger Dieu. Qui tu es? Est-ce que le pot de terre peut dire au potier, tu m'as mal fait? Dieu, il t'a créé à son image. Il a trouvé que sa création était parfaite. Tu te lèves aujourd'hui, tu fous les faux cheveux sur la tête, tu grimpes sur les talons comme les démons. Repentez-vous. 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 Vous mettez des tonnes de maquillage pour corriger Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Tu te détestes autant que ça pour ne pas aimer ton visage au naturel. Tu te détestes autant que ça pour ne pas supporter de te regarder dans le miroir au naturel.
Qui tu es pour corriger Dieu? Repens-toi. Repentez-vous. Repentez-vous. Bientôt il sera trop tard. Bientôt il sera trop tard. Alléluia. Toutes les nations sont en train de connecter à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Hey, 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 hey. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Hey, 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 hey. Oh, le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. À Paris. Hey, 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 hey. Oh, toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Tiens, ma bien-aimée. Tiens, ma fille. Sois bénie. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Oui, le réveil a lieu. Hey, hey. Oui, le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se prouvent. Que toutes les saints se mobilisent. Que toutes les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que toutes les saints se mobilisent. Que toutes les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que toutes les saints se mobilisent. Que toutes les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Shalom, mon frère. La paix de Jésus-Christ soit avec toi. Merci. Nous sonnons la trompette, mon bien-aimé. Les temps sont finis. Alors, vous êtes là pour chanter les louanges de Dieu. Nous sommes là pour sonner la trompette de la repentance. Voilà. Parce que Jésus revient bientôt. Merci. Mon frère, si tu te trouves dans ces accoutrements-là, il ne va pas te prendre. Oui. Nous sonnons la trompette de la repentance. Mais ça, c'est, il n'y a que Dieu qui est là-dessus. Hein? Il n'y a que Dieu qui est là. Quel Dieu? Jésus-Christ. Il est là? Oui, il est parmi nous. Hein? Oui, le Dieu vivant, il est, c'est un morceau de bois? Non, Dieu n'est pas un morceau de bois. Mais tu me dis que Jésus est là? Non, mais regarde. Uh-huh. Dès que regarde ça. Tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant qu'il n'est plus sur la croix? Dieu, qu'il est ressuscité, il est monté dans sa gloire. Dieu n'est pas figé. Ah, Dieu est vivant. Mais si tu le alors, mais quand, pour, ça, donc quand tu dis qu'il est là. Non, parce que les gens viennent vers moi pour annoncer la parole aussi. Alors, mon frère, ton créateur, il est esprit et vie. J'ai appris beaucoup de religions, madame. Aucune religion ne sauve. Mais c'est pour ça que je dis maintenant, il n'y a plus de religion. C'est Jésus-Christ qui sauve. Qui croit en Dieu. C'est Jésus-Christ qui sauve. Aucune religion, tu as raison. C'est Jésus-Christ qui sauve. Parce que Dieu, il est le chemin, la vérité, la vie. Vous le savez. Et tu dis que Jésus est là.
Non. Non, Dieu Tout-Puissant, tu dis qu'il est là. Dieu Tout-Puissant. Il est là, c'est le morceau de moi. Il est dans mon cœur. Et comme ça, quand les gens viennent vers moi pour me parler de l'amour de Dieu. Ah non, 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 non. Ah, que le Saint-Esprit se révèle à toi. Pourquoi vous voulez que le Dieu. Mon frère, on n'est pas là pour se disputer. On est là pour dire Jésus revient bientôt. Oui. Mets de l'ordre dans ta vie. Oui. Les bavardages ne servent de rien, mon frère. Alléluia. Sois béni, sois béni. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Flyer, évangéliser dans les rues d'Alès. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je vais aller là où il y a du monde. Là où il y a les fêtes foraines, partout, là, je vais courir. Alléluia, que Dieu bénisse le peuple qui est dans ce monde, qui est dans la perdition, qui se relève pour chercher la lumière du monde. Alléluia, soyez tous bénis. Shalom, shalom. Prostitution. Même si tu as passé ton temps à vécu dans le mal, à faire la haine contre ton prochain, à détester son prochain, à chercher le mal de ton prochain, même dans la sorcellerie, à vécu dans le fétichisme, peu importe le type de péché, mon frère, ma soeur, le Seigneur est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt pour te restaurer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu sur la croix. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu sur la croix. Il n'est pas venu sur la croix pour lui-même. Il n'est pas mort sur la croix pour lui-même. Il n'est pas mort sur la croix pour les anges. Mais il a fait cela pour toi et moi. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mon frère, ma soeur, ne mets pas sans Jésus. Ne mets pas sans Jésus. Ne mets pas sans Jésus. Car c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Il dit dans sa parole, dans le livre de Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut au Père sans passer par moi. Mon frère, ma soeur, sache que tu ne peux pas aller au Père sans passer par Jésus. Ma frère, tu ne peux pas aller au Père sans Jésus. Car c'est lui qui te tient la clé. C'est lui qui te tient le secret pour aller au Père. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, et si tu dis que je connais Dieu, et sans avoir Jésus, sans avoir Jésus, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas encore Dieu. Non, il ne peut pas me pardonner. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit ce soir qu'il est prêt à te pardonner. Malgré tes péchés, malgré tes multiples péchés, malgré les abominations que tu as passées, malgré les crimes que tu as commis, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit ce soir de venir. Il dit de venir. Et nous allons prêter ensemble. Nous allons prêter ensemble. Nous allons prêter ensemble. Il dit que si tes péchés sont rouges comme la crémagie, et qu'il va te laver, il va te rendre blanche comme la neige. Mon frère, ma soeur, il dit que même si tes péchés sont comme de la poupe, il dit qu'il va te laver. Il va te laver. C'est lui seul qui peut. Si tu écoutes ce message, n'en touche pas ton cœur, car ça pourrait être le dernier jour. Ça va être la dernière fois que tu vas écouter le message. Mon frère, c'est une grâce pour toi. Il y a qui cherche ce message, mais ils n'ont pas eu l'occasion de trouver. Mais ce soir, le Seigneur te fait grâce encore. Que tu ne prends pas par cette parole. Que tu écoutes la parole qui te livre. Que tu écoutes la parole qui sauve. Mon frère, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus Christ seul qui sauve. Car il est le Dieu véritable. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui t'a créé aussi. Mon frère, ma soeur, ne sois pas rebelle à ton créateur. Ne sois pas rebelle, mon frère. Mon frère, ne sois pas rebelle. C'est pas pour ceux qui sont chrétiens, mais c'est ceux qui sont prêts pour entrer au ciel.
Jésus-Christ ne cherche pas les chrétiens. Il ne cherche pas ceux qui vont adorer dans la bouche. Mais il cherche à ceux qui vont adorer en esprit. Et en vérité, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, abandonne le péché. Abandonne le péché. Fuis le péché. Le Seigneur n'a pas le péché. Il aime le péché. Mais il n'aime pas le péché. Mon frère, ma soeur. Et sache que si tu vis dans le péché, et si la mort te supporte dans le péché, ma frère, c'est l'enfer pour toi. Et c'est pas quand il te juge. Si tu meurs au ciel. Et c'est pour cela, lorsqu'il est venu sur la terre, il cherche pas tous les moyens. Il cherche pas tous les plans. Et pour pouvoir mener les choses avec lui, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper. Pas que tu as assez de temps. Ne te dis pas que j'ai tout le temps. Mon frère, ma soeur, tu peux mourir ce soir. Mon frère, tu peux mourir ce soir. Parce que tu ne t'étais pas le souffle qui est en toi. Le Seigneur qui t'a créé. Le Seigneur qui t'a créé. Il a fixé un temps pour toi. Et lorsque le temps va arriver, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter ce temps. Mon frère, ma soeur, et le Seigneur nous envoie ce soir. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Et ce soir, il veut te délivrer. Il veut te sauver. Mon frère, ma soeur, toi qui fuis dans le péché. Toi qui fuis dans le péché. Toi qui fuis dans le fétichisme. Mon frère, le fétichisme ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver. Ta fétiche que tu as à la maison. Ta vitole que tu as à la maison. Les poids taillés. Les frères que tu as à la maison. Je te rappelle encore ce soir. Ces choses ne peuvent pas te sauver. Ces choses vont ruiner ton âme. Ces choses vont te ruiner. Mon frère, ma soeur, tu vas te voir en femme de pauvre. Tu vas te voir en femme de pauvre. Tu vas voir que tout est normal. Tu vas te ressusciter. Tu as envie de prendre un médicament pour mourir. Et tu dis c'est fini. Mon frère, ma soeur, et ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Sache que tu as envie. Et ça reste encore pour toi. Tu as de l'espérance en Jésus. Ça reste encore. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé de sa vie. Il n'a pas encore parlé de ta vie. Et sache que quand tu es en vie, tu es mieux que quelqu'un qui est mort. Et c'est celui qui est mort, qui n'a plus d'espérance, lui il n'a plus rien. La seule chose qui le reste, et c'est l'enfer où le paradis. Mais toi maintenant encore, tu as le temps encore, tu as le choix de te repentir, de choisir encore la vie éternelle. Tu as encore le temps, tu as peu de temps à vivre. Tu veux ou tu veux pas, un jour tu vas quitter cette terre. Mais lorsque tu vas mourir, où partira ton âme? Où partira ton âme? Parce que moi je vais te rappeler ce soir. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Tu peux avoir toute la suprématie, tous les pouvoirs possibles. Mais sache qu'un jour tu vas les abandonner. Tu vas abandonner tout cela pour répondre à ton Créateur. Tu vas abandonner tout cela pour répondre à ton Créateur. Et c'est pour cela que le Seigneur nous envoie ce soir. Il nous envoie pour nous sonner la trompette pour te rappeler qu'un jour tu vas mourir. Ce que le Seigneur nous a accordé. C'est une grâce que le Seigneur lui-même nous a accordé. Nous ne méritons pas cela. Et nous ne devons pas faire de cette grâce une opportunité de rester dans le péché, de rester dans les abominations. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur t'aime, il t'aime fort. Tu as un prix devant le Seigneur. Tu as un grand prix devant le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son fils sur la croix. Il a envoyé son fils sur la croix. Pour que toi et moi,
nous ayons la vie éternelle. Pour que toi et moi, nous soyons épargnés de l'enfer. Mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour toi et moi. Il n'a pas créé cela pour toi. Que tu as passé sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Il va te demander le compte rendu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu diras à ton créateur? Qu'est-ce que tu diras à ton créateur? Est-ce que tu lui dis, ah, j'ai pas de temps? Non, j'étais occupé. Je n'avais pas encore de maison. Je n'ai pas de voiture. Pas de femme encore. Je n'ai pas encore fait la vie. Mon frère, ma soeur, je te rappelle que tu n'auras pas d'excuses. Et tu n'auras pas de bouche pour parler. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur t'aime. Et c'est pour cela qu'il nous envoie ce soir. Pour te rappeler et qu'il t'aime de tout son cœur. Et c'est pour cela qu'il te dit ce soir. Il y a la première chose. Tu dois faire d'abord un pas. Tu dois d'abord faire un pas. Et le Seigneur lui-même va entrer. Et pour agir dedans. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'aime, il t'aime. Mon frère, ma soeur. Il est temps que tu te répandes. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Il est temps que tu reviennes à Jésus. Il est temps que tu reviennes à ton créateur. Il est temps que tu fasses la paix avec lui. Il est temps maintenant que tu fasses la paix. Aujourd'hui, tu es face à la réalité. Tu seras face à la réalité. Et la Bible nous déclare qu'il a réservé un homme et de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Mon frère, après la mort, et c'est le jugement qui vient. Et si les anges sont montés, et qu'après la mort, et qu'il y a des messes qu'il va faire, et qu'il y a des prières qu'il va faire pour toi, pour que tu sois sauvé. Mon frère, ma soeur, ne fais pas erreur. Ne fais pas erreur de mourir dans le péché. Car quand tu vas mourir, mon frère, ma soeur, tu verras que c'est des imprécis. Tu verras que c'est du faux. Tu verras que c'est du mensonge. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ est prêt pour te sauver ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt pour te délivrer. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, sous la parole de Dieu. Si nous sommes présents ce soir, c'est pour vous annoncer le retour de Jésus. Parce que le retour de Jésus-Christ est imminent. Et la question que j'aimerais te poser ce soir, est-ce que tu te soucies de ton éternité? Est-ce que tu penses après la mort où tu vas passer ton éternité? Mon frère, ma soeur, après ta mort, où passeras-tu ton éternité? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te poses cette question chaque fois? Tu sais ce que Jésus a fait sur la croix pour toi? Est-ce que tu connais ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu connais le prix que Jésus a payé? Et tu sais le travail qu'il a accompli pour toi? Et la Bible nous déclare dans le livre des Actes 53. Il dit que le Seigneur Jésus sur la croix, qu'il a été maltraité. Ils l'ont frappé avec du fer. Ils l'ont frappé. Il a été méprisé. Ils ont fait de lui en aucun cas. Il a été méprisé, rejeté à cause de toi et moi. Le châtiment qui nous donne la paix. Et ce châtiment reposait sur lui. Et pour que nous ayons la paix. Mon frère, ma soeur, le Seigneur s'est fait malédiction. Pour que toi et moi nous soyons bénédiction. Le Seigneur s'est fait malédiction. Pour que toi et moi nous soyons bénédiction. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne t'a pas demandé toutes les choses possibles. Il va te montrer l'argent.
ta belle maison, ta voiture, ta belle femme. Mon frère, pour t'arracher ton âme. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne poses pas ces questions? Et pourquoi le diable te montre de l'argent pour te demander ton âme? Et pourquoi il est prêt à te donner tous les richesses de ce monde? Et pour prendre ton âme, pour sacrifier ton âme. Et c'est parce qu'il sait quelque chose. Et c'est parce qu'il sait quelque chose. Il sait que ton âme est plus précieuse que tout. Ton âme est plus précieuse que toutes les richesses de ce monde. Toutes les richesses de ce monde vont passer un jour. Tout ce que tu as de plus précieux va passer un jour. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas les abandonner. Tu vas les abandonner. Et pour répondre à la paix de Dieu. Si tu as envie ce soir, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de précieux avec toi. C'est parce que Dieu veut que tu viennes à la repentance. C'est parce que le Seigneur ne veut pas te voir en enfer. Mon frère, il y a beaucoup de personnes qui ont vu le jour d'aujourd'hui comme toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu ce jour-ci, qui ont fait des programmes pour aujourd'hui, pour la soirée, mais qui sont morts déjà. Mais qui sont morts déjà, qui sont enterrés. Maintenant, ils ont fait des programmes. Et c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, et c'est comme ça aussi pour nous voir arriver. Nous ne savons ni le jour ni l'heure où nous allons quitter. Et c'est pour cela, chaque fois, nous devons nous préparer en conséquence. Au retour de Jésus-Christ, nous devons nous préparer chaque fois. Tu vas dire, Seigneur Jésus, que ce moment que Satan il soit annulé au nom de Jésus. Amen. Que tous ces outils, que tous les instruments qui sont abusés au nom de Jésus. Amen. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, grand Dieu, grand roi éternel, Dieu des armées, papa, tous les moyens que Satan, que le monde éternel va utiliser, Seigneur, pour nous décourager dans cette mission que tu nous as confiée, Seigneur, en ce moment précis, Seigneur Jésus, du temps de la fin. Oh Seigneur, maintenant, Seigneur, nous les annulons maintenant, nous les révoquons maintenant, nous les rejetons maintenant, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous les révoquons maintenant, nous les révoquons, nous les renversons maintenant, Seigneur, nous les anéantissons maintenant, nous les déclarons néant maintenant, Seigneur mon Dieu mon roi. Oh Seigneur Jésus, nous les déclarons néant maintenant. Oh Seigneur Jésus. Tu vas invoquer le feu de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu vas invoquer le feu, tu vas dire feu de l'Esprit de Dieu, remplis ma vie maintenant. Tu nous remplis maintenant. Nous voulons agir maintenant par le feu de l'Esprit. Que le feu de l'Esprit travaille en ce lieu. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Il ne veut pas te voir périr. Il ne veut pas te voir en enfer. Et c'est pour cela que nous avons envoyé ce soir. Et pour te prêcher la bonne nouvelle. Pour te rappeler là où tu as quitté. Pour te rappeler que tu as une maison. Tu as un ciel. Et cette maison, c'est la Jérusalem céleste. Nous venons de la Jérusalem céleste. Nous venons de Sion. Et c'est de là encore nous allons repartir. Mon frère, ma soeur. Et si tu écoutes ce message, sache que les temps sont finis. Et le retour de Jésus-Christ est imminent. Sache que le diable multiplie ces choses pour pouvoir t'en goûter. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu as beaucoup de temps. Il n'y a pas de temps. Le temps qu'il a, c'est très minime, c'est très minime. Et c'est pour cela il presse les choses. Je te rappelle que Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Il a créé cela pour le Satan et ses anges. Mais vu que le diable sait ce que Dieu a préparé pour nous. Il multiplie des occasions pour pouvoir porter les âmes avec lui. Il multiplie des choses pour pouvoir apporter les âmes avec lui. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur. Il a créé des vanités de ce monde. Il a créé des choses éphémères pour te distraire. Pour que tu ne penses plus à ton éternité. Pour que tu penses à des choses de Chanel. Mon frère,
Est-ce que tu te poses cette question? Pourquoi il te propose des choses éphémères? Quand on est en éternité, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle ce soir. Sache que le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle ce soir. Sache que le Seigneur t'interpelle ce soir. À penser à ton éternité. À penser à ton éternité. Car les temps sont finis. Le diable ne s'amuse pas. Sache que le diable ne s'amuse pas. Sache que le diable ne s'amuse pas. Il place les choses. Il place les choses. Mon frère, ma soeur, ne pense pas parce que tu es bien debout. Ne pense pas parce que non, tu es en forme. Non, que tu es gâteau. Mon frère, tu... Ce sera trop tard. Alléluia. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Le Seigneur Jésus après la mort. Ce sera trop tard. Mon frère, ma soeur, si tu es vivant dans ta vie au Seigneur Jésus, sinon après la mort, ce sera trop tard pour toi. Le Seigneur Jésus t'appelle maintenant à cette soirée dans ta vie au Seigneur Jésus. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera trop tard. Jugé. Mais le Seigneur a envoyé son fils pour que tu sois justifié, sauvé. Mais sache que quelque chose. Et si tu n'acceptes pas la vérité aujourd'hui, si tu n'acceptes pas la parole que nous allons te prêcher aujourd'hui, c'est cette même parole qui va te juger. La parole que nous t'annonçons, c'est cela qui va te juger dans les jours. Je t'ai dit. Et sauvé-tu en habit blanc, pour toi mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Pour toi mon soeur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras? Je te dis, quand tu sois, ce n'est pas
ne pense pas que je suis venu pour les chrétiens. Oh, je ne suis pas venu parler aux chrétiens. Oh, parce que Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus-Christ est venu pour transformer des gens en chrétiens. Parce que avant que Jésus ne vienne dans ce monde, personne n'était chrétien. Mais nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu.
Prêche la parole de Dieu. La parole authentique de Dieu. Cette parole qui sauve. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas maître de ton destin. Tu n'es pas non plus maître de ton souffle. Tu ne sais même pas si tu vas traverser cette journée. Beaucoup de personnes ont fait des programmes sur cette journée. Mais ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Ceux-là iront où? Ça voit dans les églises aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont déjà dans les églises et on va prier sur le corps. Mais toi, tu es encore vivant. C'est parce que le Seigneur t'a donné encore une grâce. Une grâce pour te sauver. Tu peux perdre ton souffle de vie tout à l'heure. Parce que toi-même, tu ne sais pas. Mais là où tu es, tu dois accepter Jésus. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui seul qui peut te sauver. Les idoles ne peuvent pas te sauver. La méchanceté ne pourra te sauver. La cupidité ne pourra te sauver. Peu importe les biens que tu as. Cela ne peut pas te sauver. Peu importe l'argent que tu as. Cela ne peut pas te sauver. Mais viens à Jésus. Et il va te sauver. Je ne te parle pas d'une église. Aller à l'église ne veut pas dire accepter Jésus. Mais celui qui a accepté Jésus, quand on le voit physiquement, on le sent. Laisse-moi te dire, ton comportement, ton habillement, tes manières de faire, tout cela doit montrer que tu es un enfant de Dieu. Mais si on te voit et on voit que tu n'es pas un enfant de Dieu, alors que toi tu te réclames être enfant de Dieu, laisse-moi te dire que tu te trompes. Le Seigneur te parle ce matin. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, rapproche-toi des hommes de Dieu pour donner ta vie à Jésus. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Ne dis pas que tu dois chercher l'argent. Pense premièrement à la destination de ton âme. Si tu sais qu'il y a un Dieu qui existe, je suis là pour te dire que ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Pourquoi tu laisses ce Dieu et tu vas adorer les idoles? Pourquoi tu laisses le Créateur et tu vas adorer les créatures? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et pourquoi tu mets des choses sales sur ça? Je parle de toi qui es déjà chrétien. Toi qui dis non, je suis chrétien, je vais à l'église. Donnez votre vie à Jésus. Jésus vous appelle. Maintenant la repentance. Faites le meilleur choix. Le meilleur choix du monde. C'est avoir Jésus. Comme son Seigneur. Comme son Sauveur. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est inutile. Si tu n'as pas Jésus, tu as vécu inutilement. Si tu n'as pas Jésus, ta vie ne servira à rien.
Reçois Jésus. Jésus t'appelle ce soir. Bien-aimé, Jésus t'appelle ce soir. Il te tend les bras d'amour. Il te tend les bras d'amour pour te sauver. Cette situation dans laquelle tu te trouves, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu n'as pas cette capacité de te sauver. Mais Jésus te dit, je viens à ton secours. Jésus vient à ton secours. Donc, mais accepte seulement Jésus. Accepte Jésus seulement. Et il va te donner la force. Il te donnera le pouvoir sur le péché. Et désormais, tu vas vivre la vie de sainteté. Tu vas vivre pour Dieu. Et par finir, tu iras au ciel. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Bien-aimé, si tu mourras ce soir, si tu mourras ce soir, si tu mourras ce soir, es-tu sûr d'aller au ciel? Est-ce que tu es sûr d'atterrir au ciel? La grande question reste posée. Si tu ne peux pas y aller, tu vas revenir au Seigneur. Tu dois revenir à Dieu. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Nous aussi, nous avons été comme toi. Nous avons roulé dans la fornication. Et nous avons menti. Nous aussi, nous avons fumé. Nous aussi, nous avons pris l'alcool. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Ce n'est pas notre effort. Ce n'est pas notre capacité.